Zoom à tous champions. Inazuma Eleven. L'invasion, première partie. Yo, c'est Mingroin, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3, si je dis pas de conneries, de notre incroyable série l'équipe B, voilà. Une série mondialement connue, complètement folle. Voilà, du coup on part là-dessus. Oh, attendez, c'était ça que je vous montrais. On part toujours là-dessus comme compo, du coup. Voilà, donc aujourd'hui, du coup, on va faire l'équipe Chaos. Équipe Chaos qui est plutôt. Qui devrait être tranquille, franchement. Je m'attends pas trop à galérer. Oui, du coup, voilà, j'ai changé ma j'allais dire ma commentatrice, c'est pas ça du tout. Ma subordonnée en somme. Ah bon, elle, putain, voilà, et la coach aussi. Alors, ça risque d'être un épisode très spécial parce que je suis malade. Voilà, je me suis chopé une petite fièvre, un petit rhume, un petit quelque chose de pas très cool. Et au pire, il suffit de parler de moi dans son match, n'est-ce pas? On va commencer un peu tranquillement. Alors, effectivement. Détends-toi par contre, merci. J'espère que c'est pas trop fort le son du jeu, parce que chez moi c'est vachement fort, donc je vais essayer de parler au max que je peux. Ok, on va commencer sur les bonnes bases avec ce bon vieux Steve qui va aller marquer directement. Oh putain, merde, il a failli me prendre la balle. Ok, du coup je suis allé m'entraîner d'ailleurs pendant plusieurs années de suite. Mais mec! Mais sérieusement? Mais quoi? Fuck, putain. Non mais alors là, pourquoi je suis déçu? Pour des raisons évidentes, mais genre... De fuck en fait, genre... Ok, bon ça va, je vais très bien. Oui, donc je disais, je me suis entraîné. Parce que du coup, alors avec un pote, on a joué à Inazuma Eleven Strikers 2013. Très bon jeu d'ailleurs, on peut en parler effectivement. Je comptais en parler à la base en fait, mais du coup, je voulais voir comment ça allait se passer pour l'instant pour le match. Pour l'instant, ça va. Donc Strikers, c'est un jeu qui est un peu spécial quand même. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attaques qui sont plus simples à passer par rapport à ce jeu. Comme par exemple, du coup, haute tension. Apparemment, l'attaque légendaire des... Enfin, la technique de gardien légendaire des ogres. Et puis la nouvelle Murée Infinie qui sont carrément plus simples à passer, je trouvais. Pas juste parce que du coup les personnages ont des Kenshin, mais juste parce que genre... Ah bah quand même, putain, il fait une spé, merci. Je disais pas forcément parce que du coup il y avait des Kenshin, mais juste parce que genre, je sais pas, il y avait des attaques qui passaient carrément plus simplement, enfin bref. Et hop là, Sam fait la passe, ok. Ah merde, Steve, ok. Oui, je sais même plus de quoi je parlais, c'était terrible. Oui, ce que je veux dire, c'est que du coup, avant, sur ce jeu, du coup, t'avais des attaques qui étaient spécifiques qui pouvaient passer, genre Nouvelle Murée Infinie ou Haute Tension. Genre, t'avais Légende Suprême, t'avais des attaques comme ça, quoi. Des attaques un peu fortes, en somme. Hop là, voilà, tu te charges de rien, mon grand. Hop, oh, j'ai essayé de faire un gros backdash. Monsieur, j'aimerais faire tirer Déméter un peu. Mais la meuf, elle m'a pris la balle comme si de rien n'était, quoi. Non, putain. Mais Déméter, il est en face de toi, fais-lui la passe. Voilà. Bah, petit 2-0, on n'en parle plus. Ich. Paf, paf, pouf, paf, pouf. Fire! Boom. Et du coup ce goal, je sais pas si je le prends vraiment parce qu'il est bien mignon avec sa carbonisation à la con et tout, mais moi j'aime bien, je préfère mon petit Poseidon, il est tout mignon, il est tout cool. Est-ce que, alors là, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que je vais voir un blizzard enflammé quand même, parce que c'est un peu le j'allais dire le nom de l'épisode, non c'était le nom de l'épisode de la série, le capitaine. Alors, c'est qui le capitaine entre les deux du coup? Il y a un capitaine dans cette équipe? Attendez, vraie question, parce que du coup, attendez. Parce que lui, il a pas l'air d'avoir un bandeau et lui non plus. C'est trop bizarre. C'est le gardien, le capitaine?
Je checkerai à la mi-temps, je pense. Voilà, tu rends le ballon, chien. Oh non, pas encore elle, putain. Je vais lui mettre un gros tacle. Boum! Aïe. Là, Sam, Samuel. Samuel. Alors oui, putain, ça j'en ai pas parlé, mais du coup, je vais pas pouvoir upload ce jour incroyable de mercredi. Il est vraiment chiant à faire ça. Je vais pas pouvoir upload ce mercredi parce que problème de timing, tout ça. Du coup, ce que je ferai, c'est que du coup, je vais juste upload deux fois samedi. Une fois genre à 8h, une fois. Enfin 8h, ça dépend. Ça pourrait être 10h en fait. Je vais tenter un arrêt standard juste pour voir. Fuck. Ouais, je pleurerai genre le soir après. Je verrai bien. Putain, tir spirale, je pensais pas que ça passerait. Elle était genre. J'ai même pas vu, elle était au milieu du terrain ou quoi? J'ai pas vu. Ouf, on va remettre un petit but avec Steve. Voilà. Ça sera vraiment le double épisode. L'invasion. Incroyable. Donc j'ai vraiment pas cherché hein, pour le coup. Mais c'est quoi ce gardien en carton? S'il vous plaît en fait. Abattez-moi. Ah non mais je savais que ça allait pas être un épisode intéressant, mais là c'est chaud quand même. C'est un chaos d'engager. Parce que je pense que du coup pour le gardien, je prendrais juste le gardien de la Luce Academy, qui n'est pas de Valine du coup, mais l'autre. C'était le gardien de Gemini, un truc dans le genre? Ouh, je sais plus. Non, c'était le gardien d'où, ce type? Espèce de môme qui fait le Zawarudo. Admirez le talent. Je pense que je vais même prendre personne, hein, parce que du coup là c'est tous des gros BG. Ok. Ah merde, putain, j'aurais dû le laisser. Très bien vu. Si je les revois chargés, je pense que je les laisserai faire un petit brulisarem framé. Bon, allez, dégage. Leçon passée la deuxième mi-temps. Monsieur. On va faire 2-3 passes histoire de passer la. Oh, attendez. Attaque tempête! Ah, je crois que c'est lui le capitaine. Je crois que j'ai vu le bandeau. Je sais pas. Pam, 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 pam. Voilà, quand même. Bah 4-1, mais il est chiant. Vraiment, le gardien est full relou à jamais faire sa level 3 déjà. Et il m'a fait. Putain, mais il a carbonisation level 2 quand même. Du coup, je peux pas voir le capitaine en face. Ok, de toute façon. Écoutez, on part sur des bonnes bases. Nous revoilà pour la seconde mi-temps. Du coup, ouais, du coup, dans l'épisode 4, du coup, on fera l'incroyable Academy Alius. Ouf, on va pouvoir partir sur peut-être un petit tir de la grenade. Ouf, la mouche qui a failli m'avoir. Je l'appelle la mouche, malin, non. Fire! Ouais, c'est lui le capitaine. Il a le petit bendo rouge. Bah moi j'aurais pas mis Torche en hein, capitaine, j'aurais mis Jean-Michel Gazelle. Ils ont probablement des noms en japonais mais je les connais pas. Frappe de la rotation. Mais. Ah mon Dieu. Ah, c'est pluie de météores, ouais, ça fait sens. Ça ressemble quand même à un tir. Hop là, une passe en avant, monsieur. J'ai même pas la balle, c'est dégueulasse. Bonk. Ouf, attendez, ça charge. Où ça charge? Allez, monsieur! Monsieur Whittingale! Oui, incroyable!
Blizzard enflammé. Swag. Je vous montrer moi. Ouais, bon. Stylé, cela dit. J'aime bien. Incroyable, ils ont réussi à me marquer. Cette fois-ci, alors que j'ai donné tout ce que je pouvais avec mon gardien, c'est plutôt impressionnant. Hop, 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 hop. Ce pied qui fusionne avec mon ballon, c'est terrible. Falcon, piou! Ah, il l'a arrêté! En même temps, j'étais au milieu du terrain. Donc... Quoi? Spunk. Si, circulaire! Je l'avais pas mis là, lui. Je l'avais mis plus au milieu, je crois. Merde. Je croyais l'avoir fait, flûte. Je le ferai tout à l'heure. Ah, merde. Non, mais arrêtez. On va nettoyer ces fils de pute. Tac. Bonk. Mais enfin, Déméter, merci. Oh. Voile de feu. Qu'est-ce que... Qui a été ce tir? J'adore faire ça. Ça sert à rien, mais c'est trop cool. Boum. Bon, là, arrête-le à la main, du coup. Merci. Voilà. Là, c'était sens. Là, ça faisait sens, pardon. Ce ballon est à moi. Déméter. Ah c'est bon, c'était Wallon qui a été touché, j'en mets sec. J'essaie de repasser la balle à Déméter. Qui n'a plus sa jauge de tir. Lui il a un problème avec sa jauge de tir. Je sais pas, faudrait peut-être qu'il lui parle. Qu'il en discute quoi. T'as fait incendiaire elle. J'aurais juré qu'elle faisait glacial. Subtilisation. Et boum! Incroyable! Ah putain, ça fait plaisir ça! Oh, putain, j'ai skippé le. Je commence à avoir un peu près le timing pour ça. Ça fait plaisir. Je pense que cette fois-ci, je mettrai pas la même musique que j'avais mis dans l'épisode 2 parce que du coup, je m'étais fait un peu copyright fuck. Et putain, d'équerre, bordel, fais un effort. Voile de fire! En vrai, alors, pourquoi l'Académie Alu, je suis un peu content de le faire, parce que du coup, j'ai cru comprendre que je devrais avoir quelques trucs à entraîner, quelques personnages à entraîner pour faire des attaques combinées de personnages non principaux, parce que je vais pouvoir faire frappe de Gaïa, pardon, qui est une technique à 3. Alors après, le problème, c'est qu'il faut que je vire 3 de mes clampins, là. Du coup, je pensais virer Weldon, Athéna, je peux pas le virer, quand même. Déjà parce qu'il est trop BG, en plus parce qu'il est là depuis littéralement un match, mais... Non, je pense que je vais virer Weldon, peut-être... j'allais dire Timmy, mais non. Parce que Timmy, j'en aurais besoin pour plus tard. Bon, enfin bref, on verra bien. Parce que ici, pour l'instant, j'ai besoin de prendre personne, hein, en tout cas. Parce que je peux éventuellement prendre le gardien, histoire d'avoir un petit goalkeeper sur le...
sur le banc de touche, voilà, histoire de. Okay, oh, je vais faire ça en vrai. Faisons ça. Attendez quoi? Je croyais que je pouvais recruter des gens d'autre part. Ok, non, my bad. Non, je crois que c'était juste je peux faire des matchs et je peux recruter des gens. Tac. Du coup, il y a ce bon vieux Goker. Il fait quoi, lui? Ah, il a choc sismique, ce qui est pas mal, là. Parce que ça bloque. Je vais le prendre à la place de Decker, je pense. Écoutez, on fait tous des gros bisous à Decker qui doit céder sa place. Je vais prendre le gardien quand même, histoire de l'avoir sur le banc, au cas où le type feu est efficace contre un des types. Bon, on peut bien évidemment pas prendre gazelle et torche, hein, c'est un peu le concept de l'émission. Et puis voilà, on est plutôt bon, on va les équiper à la team. Ça fait une petite vidéo mignonnette où je fais pas grand chose. Et puis voilà. Alors, ah bah attendez, il y a un slot libre dans l'équipe B, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça enfin? Hop, voilà. Ensuite, Decker. Ah putain, pourquoi je l'appelle Decker depuis le début alors qu'il s'appelle Drent? Ah, c'est toujours Decker dans mon cœur. Qui n'est plus, malheureusement. Voilà. Du coup, on va pouvoir virer. Alors, attends, sur le terrain, du coup, j'ai Weldon. Ah, Weldon et Bloom, déjà, faudrait que je les vire. Et Todd, il est pas sur le terrain, de grosse mémoire. Jim, il faudra qu'il soit là pour plus tard. Et Willy, il est pas sur le terrain, il me semble. Donc, je pense que ça sera Athéna, malheureusement. On va voir de toute façon au niveau du paramètre d'équipe là que je fais très rapidement. Ok. Alors déjà j'ai appris un truc sur mon incroyable formation. C'est bien d'avoir un truc où genre le défenseur. Il y a des défenseurs qui sont genre juste devant les cages. Je le sais d'expérience. Du coup je pense que comme ça c'est pas trop mal. Ça me ferait pas mal de défenseurs, mais. Et un seul gros attaque. Ok, attendez, je vais essayer de faire un truc comme ça. Remplacement, je voulais peut-être vous le skipper un peu. Alors, on va voir Stevie. Max, je te mets là. Demeter, tu vas aller là. Goker, c'est bien ici, hein, je pense. Histoire 2, je vais mettre le mec ici. Comme ça, du coup, on aura. Alors, je pense que je vais virer Timmy. Peut-être juste pour avoir l'espèce de frappe de Gaïa. Mais. Ouais, parce que moi, il m'en faut 3, ça le problème, quoi. Non, je pourrais virer Athéna à la limite. À la grosse limite, je pourrais virer Athéna. Du coup, là, on a ce bon vieux Gorent sur le banc. Et puis, on est bon. Et puis, paf. Voilà, écoutez, c'est un épisode carrément plus court que d'habitude parce que forcément, je faisais 2 matchs avant. Mais voilà. Prochain match, du coup, on affrontera l'Alius Academy. Donc, voilà, je vous laisse avec une outro encore une fois incroyable. J'aime pas s'il y a d'outro en fait quand c'est des épisodes de 2 parties. Ah, je sais plus. Ah si, ça doit y en avoir, je sais plus, bref. Allez, sur ce, la bise et ciao. L'équipe Chaos est vaincue, mais les aliens ne le sont pas pour autant. L'équipe des Gémeaux, Epsilon et Genesis ont décidé de s'allier pour créer l'équipe ultime de l'Académie Alius. L'équipe B s'en sortira-t-elle? Ne manquez pas le prochain épisode, l'invasion, partie 2. Ça c'est du sport.